à tous et bienvenue sur la chaîne Devens Bookish. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog productivité, lecture, bref. J'ai beaucoup de choses à faire ce week-end. Pas mal de petites tâches en vrai qui vont être faites assez rapidement. Mais j'ai aussi des rendez-vous, j'ai une journée un petit peu chargée aujourd'hui. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Vous allez entendre souvent, je pense, ma machine à laver en arrière-plan parce qu'il faut que je fasse aussi des machines. Et ça, c'est important, hein. On aime les espaces bien rangés, bien nettoyés et avoir les affaires propres et que ça sente bon propre chez soi. Donc c'est vraiment mon objectif d'aujourd'hui. J'ai très envie aussi donc de finir toutes les tâches que je me suis mise sur ma to-do qui est quand même un petit peu long, on va pas se le cacher. Mais ça va le faire. Là, il est bientôt 11h. Alors je m'y prends assez tard puisqu'à midi, je dois repartir. Mais bon, j'ai voulu me réveiller et passer une matinée un petit peu tranquille. Là, je vais commencer directement par du montage parce que je suis ultra en retard dans les vidéos. J'ai tourné des vidéos depuis longtemps et j'ai absolument pas le temps de les monter et de les programmer. Donc voilà, ce vlog va sortir après celles que j'ai déjà tournées qui sont censées être pour janvier. On est mi-janvier. Ça va le faire, ça va le faire. Tout va arriver à un moment donné, c'est sûr. Donc je veux finir les tâches de ma to-do et surtout je veux commencer une histoire particulière puisque c'est l'histoire qu'a écrite mon amie Kelly. Donc Kelly, dont je vous donnerai le compte Instagram ici que vous pouvez retrouver également en description, qui va participer donc au concours de la maison Bragelonne. Je sais plus le thème de ce petit concours d'écriture, mais donc elle devait déposer... Elle doit plutôt déposer les 90 000 premiers mots de son roman. Roman dont j'attends la lecture depuis très longtemps. Je l'encourage depuis un moment et j'ai hâte de le lire. Elle me les a envoyés. Voilà, elle m'a envoyé les 90 000 premiers mots pour que je puisse lui faire un retour. Que je regarde, que je fasse un peu la bêta lecture de cette histoire. Donc j'ai hâte. J'avoue, ça fait une semaine que je l'ai et que je me retiens de le lire. Mais je voulais vraiment être posée et pouvoir faire ça tranquillement. Et je me suis dit, tant qu'à faire, que je pouvais vous en parler également en vidéo parce que je suis sûre que ça va être génial. Et en plus, elle-même aura le droit à mes réactions en direct quand je vais lire son histoire. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai hâte de m'y mettre. Vraiment, j'ai vraiment hâte. Elle dit que j'arrête pas de survendre son livre alors je l'ai pas commencé. C'est peut-être un peu vrai. Mais en même temps, je la connais. Je sais comment elle écrit. Je sais que ce qu'elle envoie, c'est généralement du lourd. Donc j'ai hâte vraiment de lire sa première histoire. Et de toute façon, vous aurez mes réactions en direct et vous aurez mon avis en direct et j'ai hâte, voilà. Donc il est temps de commencer tout de suite ma to-do pour vite me mettre à cette lecture. Après 17h, voilà, je suis rentrée il n'y a pas si longtemps que ça chez moi. J'ai mangé, j'ai voulu me poser un petit peu, donc bon, mes rendez-vous sont passés. Ce matin, j'ai pu donc avancer pas mal dans ma to-do list, même si j'ai pas eu le temps de faire de montage avant mes rendez-vous. Je pense que j'aurai pas le temps de toute façon aujourd'hui. J'avoue que là, j'ai pas trop le courage et que je dois partir dans un peu plus d'une heure, une heure et demie. Voilà, je travaille ce soir donc ça va être un peu la course. Donc je préfère me poser et le montage, bah tant pis, de toute façon je suis plus à un jour près de retard. Très honnêtement à ce stade. Donc je ferai du montage demain. Mais j'ai reçu donc un colis que j'ai ouvert. Je sais ce que c'est. Voilà, il n'y a pas de grande surprise puisque pour une future vidéo, une vidéo qui est prévue depuis... très longtemps, à vrai dire, vraiment très longtemps. Nous étions échangés des livres avec Emma et donc je lui avais envoyé un livre à moi. Et c'était il y a très longtemps, encore une fois. Et je viens donc de le recevoir et je l'avais pas encore ouvert. Oh, elle est trop belle! Pardon, la boîte est trop chou. Vraiment. Je vais pouvoir ranger les marque-pages et tout dedans. En plus, elle est trop mignonne. Voilà. Oh, on m'a mis des petites choses en plus dedans, c'est trop chou. Donc, oula, ah oui, elle m'a mis beaucoup de petites choses dedans, elle est adorable. Un petit carnet, mais ça, je vous dirai pas pourquoi. Vous le saurez de toute façon dans une autre vidéo.
Elle m'a mis plein de petites choses, c'est adorable. Elle m'a mis un marque-page. Ça, c'est pour accompagner ma lecture, je suis sûre. Oh, j'adore. Oh, c'est trop chou. Elle m'en a mis un deuxième. C'est adorable, vraiment, je sais pas quoi dire. Un petit sticker. En plus, c'est l'illustration, tout ça. Enfin, une carte Joyeux Noël. Et une autre petite carte comme ça, c'est adorable. J'ai prévu, je le dis et je le redis, je dis ça depuis le mois de septembre, mais je vais faire mon fameux mur d'illustration. Là, je vais avoir le temps, donc sans doute pas ce week-end, mais peut-être que le week-end d'après. Je vais me chauffer et je vais enfin le faire. On y croit en tout cas. Hop. Alors, attendez. C'est adorable. Et donc, voilà. Donc, Falling Again de Morgane Moncomble. J'ai hâte de le commencer, de le lire. Voilà. À part dire que j'ai hâte, je peux pas dire grand-chose de plus. Voilà, je vous donne quelques indices sur la future vidéo, juste en vous le montrant et sans commenter. Voilà, bon, j'ai hâte de pouvoir le lire et faut que je m'y mette, quoi. Faudrait que je m'y mette rapidement. Le programme pour la fin de journée, c'est de faire une sieste parce que je suis éclatée et qu'il faut que je bosse ce soir encore une fois, donc bon, j'ai besoin de dormir un petit peu. Ensuite, j'aimerais bien me poser, je pense, continuer de regarder une série tranquillement, là c'est ce que j'ai fait depuis que je suis rentrée. Je vais revoir un peu ma to-do list, mais je crois que la majorité des choses ont été faites pour aujourd'hui, qu'il me reste juste à attendre demain, que je peux pas les avancer aujourd'hui. Je pense que je découvrirai donc l'histoire de Kelly demain, parce que là c'est tard et que je suis fatiguée, comme je l'ai dit. Et donc j'ai pas envie de vraiment de m'imposer et de pas être dans le bon état d'esprit pour le lire. Donc je pense que je la lirai demain, j'ai vraiment hâte de m'y mettre et ça m'énerve de repousser, mais je pense que demain ça va le faire. Je viens de regarder, ça représente donc 28 pages, voilà. J'ai hâte, mais par contre j'arrive pas à le manipuler, je sais pas pourquoi, mais tout va bien. Ah si, c'est bon. Ok, d'accord, ouais, donc, et c'est vraiment fait en mise en page de roman. Donc, voyez, je vais vous montrer un petit peu, mais c'est écrit gros. Et voilà, on a des belles marges, donc ça va se lire assez rapidement. Je pense que demain, si je m'y mets tôt, je pourrais le terminer demain. Ça me semble largement faisable. A voir, peut-être que je m'avance beaucoup trop et que ce sera pas du tout le cas. Mais en tout cas, ça me semble faisable. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte de m'y mettre, donc je pense que demain, je vais vraiment me consacrer du temps pour ça et ça me fera du bien. Et il faut que je fasse du montage. Voilà, mes objectifs de demain... Ah, je fais plein de bêtises, je sais pas sur quoi je clique. Donc mes objectifs de demain, c'est le montage et lire cette histoire. Finir ma to-do list, mais je pourrais y faire, c'est des tâches qui se font en parallèle. Donc il y aura aucun problème pour que je puisse avancer. J'ai hâte, j'ai vraiment trop hâte, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Je vois des passages et tout, je vais pas me faire spoiler. Donc je vais me retenir, mais ça a l'air vraiment bien. J'ai hâte de pouvoir le lire. Et je vais arrêter de la blatter parce que ça va être encore beaucoup trop long. Et puis voilà, on va avancer, on va se poser un peu avant d'aller travailler. Je pense que je vous reprendrai pas avant demain. Je sais même pas si je vais vous montrer d'autres images, je pense que... pas forcément, mais enfin bref, je verrai, de toute façon vous avez l'habitude. À peu près, j'ai fait du montage toute la journée, j'ai réussi à tourner et à monter les 3 vidéos du début de l'année 2024 qui vont sortir à la fin du mois de janvier, ne cherchez pas, mais en tout cas les 3 vidéos donc de cette semaine, puisque j'ai choisi de les programmer cette semaine, sont prêtes. Je pense que je vais commencer le livre de Kelly pour quand même commencer à lui faire quelques retours là, et après je vais me poser un petit peu parce que bah demain je bosse. Et je vous reprendrai, mais pas avant, je pense, le week-end prochain pour continuer l'histoire de Kelly et pour qu'il y ait encore une fois mes réactions en direct, parce qu'on adore ça. Thank you.
Donc globalement, bah écoute, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Je t'avoue qu'il y a un petit détail qui me chiffonne quand même un peu. Elle est où la suite? Non mais parce que tu peux pas me laisser là-dessus. C'est pas possible en fait. Voilà Kelly, je te le dis. Je pense qu'il y a un souci dans le document, parce que là il descend pas plus bas, mais il manque la suite. Voilà. Et du coup, plus sérieusement, franchement, c'est extrêmement bien écrit. Tu amènes toutes les infos. Et ça s'enchaîne, c'est fou. Enfin, vraiment, c'est vraiment très bien amené. C'est vraiment ultra prometteur et je veux juste savoir la suite pour savoir si la suite est aussi bien que ce que j'ai lu là, parce que c'est vraiment super bien, quoi. C'est super bien écrit et je te dis, t'as un très bon rythme. Vraiment, l'intrigue, le rythme est vraiment très bien. Et pourtant, moi, je suis compliquée, hein. J'aime pas tout ce qui est, tu vois, j'aime pas les histoires contemplatives ou ce genre de choses. Et là, c'est vraiment pas le cas. C'est bien écrit, tout s'amène bien et le rythme, nickel. En plus, je sens que ça va s'accélérer par un moment, donc... Vraiment, ça annonce du très lourd. Je suis impressionnée. Voilà, c'est génial. Par contre, je veux la suite. C'est la fin de ce vlog. Et quel vlog ultra productif. Et surtout, la découverte de l'histoire de Kelly est... C'est génial. C'est vraiment, vraiment génial. Je m'attendais pas à ça. Enfin, je savais que ce serait une très bonne histoire, mais je savais pas trop l'univers vraiment dans lequel ça se développait ou comment elle avait construit, en fait, vraiment l'univers. Et j'avoue que je suis très, très agréablement surprise. C'est vraiment génial. Je veux juste lire la suite et on va dire, oui, t'es pas impartial, t'es ton ami et tout. Oui, mais ça se serait vu, en fait, et... Si, je suis clairement impartiale pour le coup. Alors, peut-être pas totalement, soyons honnêtes, mais c'est vraiment très bien écrit et pour l'instant, ça annonce vraiment une très bonne série fantastique. Alors, je sais plus combien il y a de tomes, je crois qu'il y a 2 tomes. Je sais plus. Mais ça annonce vraiment une très très bonne saga fantastique avec un univers qui est bien construit, avec des personnages également qui sont bien construits. J'espère, encore une fois, l'évolution des personnages dans les prochains chapitres, parce que ça, c'est ce qui me plaît énormément dans les romans de façon générale. J'aime qu'on voit les personnages évoluer et que bah, les personnages se remettent en question. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça, surtout que Emerick a du potentiel en termes de remise en question aussi, Swan aussi, donc bon, voilà. Je vais voir ce que ça donne, mais en tout cas pour l'instant c'est très très intriguant. J'ai hâte de lire la suite et de découvrir plus en profondeur ces personnages et cette intrigue parce que pour l'instant ça met l'eau à la bouche, voilà. T'as plus qu'à espérer que la construction de l'univers dans la suite des chapitres sera aussi bien amenée et que vraiment ce sera, comment dire, on va rentrer plus profondément dans cette intrigue, dans cet univers et qu'on sera pas déçu que... J'espère juste en fait qu'en lisant la suite, je me dirais pas mince, elle aurait pu aller plus loin ou mince, j'aurais aimé que ça soit plus approfondi. En tout cas pour l'instant c'est vraiment, vraiment très bien écrit, c'est très bien amené. Donc bon... Voilà, j'espère que ce sera aussi bien et j'espère que tout sera aussi bien parce que vraiment là, c'est franchement pas mal, c'est vraiment ultra prometteur. Et je veux juste lire la suite quoi, j'ai que les 6 premiers chapitres, c'est terrible. Surtout qu'en plus vous le savez pas, mais ça fait longtemps que j'essaye de gratter les chapitres de Kelly mais qu'elle ne veut pas me les envoyer parce qu'elle les a pas corrigés, ceci, cela. Et donc là, j'étais contente de pouvoir lire les 6 premiers chapitres dans le cadre de ce concours. Et j'espère qu'elle va aller loin dans ce concours et que là, son dossier sera retenu parce que vraiment, c'est génial, quoi. Donc, j'espère que cette maison d'édition ne passera pas à côté parce que c'est vraiment super bien. Et je veux lire la suite, moi, voilà. Et je peux pas. Voilà, je veux pas lire la suite puisqu'elle n'a pas corrigé les derniers chapitres. Enfin, la suite. Ou alors, elle a commencé à corriger, mais elle a pas tout corrigé. Bon, bref. C'est tout pour ce vlog, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si je vous ai donné envie de découvrir l'histoire de Kelly, dites-le moi, hein. Je ferai ma petite propagande auprès d'elle. Potentiellement que y aura un chapitre dévoilé, on sait jamais. Hein. On peut tenter, je négocie là en direct. Hein. Vraiment, là, Kelly, si tu regardes, négociation, petit chapitre de dévoilé, c'est possible, c'est pas possible, je sais pas. Qui sait? Voilà, peut-être que vous aurez également la chance de lire les premiers chapitres. Vous le saurez très vite, de toute façon je vous dirai tout en commentaire ou en barre d'infos si j'ai d'autres informations. Mais voilà, c'était vraiment une très bonne histoire. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt sur la chaîne.